Et c'est parti! Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans une nouvelle découverte! Au programme du jour, de la Formule 3 à Macao. Oh, ça va être serré cette histoire! On est aujourd'hui en vidéo pour vous présenter trois nouvelles voitures qui font leur arrivée dans Race Room Racing Experience. Alors, un jeu qui a depuis quelques jours subi de nombreuses erreurs de problèmes serveurs. Ouais, la courbe du mandarin, ça passe. Et on est aujourd'hui eh bien, pour vous présenter la Formule 3, la Formula Race Room 3 qui arrive. On va essayer de faire l'intérieur ici. Ça ne passe pas. Alors que lui, voilà, il va aller toucher le leader. Hop, ça glisse pas mal. On aura ensuite la découverte de deux autres bolides qui font leur arrivée, mais chaque chose en son temps. Alors, on est avec la F3, qui est donc arrivée avec une seule voiture disponible, mais il y a 22 skins. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais sur le store Race Room, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, eh bien, on ne peut pas vous montrer autre chose que cette voiture-là, qui est la seule à pouvoir être sélectionnée et achetée. Et ça doit faire la jonction entre la Formule 4 Tatus et la Formula Race Room 2. Donc entre le GP2 et la Formule 4, eh bien on a la Formule 3 désormais. Et ce sont les premiers tours de roue que j'effectue avec cette voiture dans les rues de Macao, en hommage eh bien, au grand pilote qui est Antonio Félix da Costa, qui nous a gagné pour la deuxième fois le Grand Prix de Macao en F3. Bref, on a une voiture qui est dispo pour quelque chose comme 3,50€ avec l'ensemble des skins, mais si vous avez déjà pas mal de choses dans le jeu, tout cela vous reviendra aussi, bien évidemment, moins cher en fonction des skins, etc. D'ailleurs, un petit tour dans la description, vous pourrez retrouver... Oh, c'était proche du mur, ça. Vous pourrez retrouver le lien pour acheter les trois voitures. Bref, oh, j'ai encore proche du mur. Je suis pas sûr que j'ai touché, j'ai rien senti dans le volant, mais à l'œil, j'étais pas loin du mur en béton. Alors, grâce à la magie du montage, comme d'habitude, je vous fais mon ressenti en direct, mais vous allez avoir les différentes caméras qui vont défiler au fur et à mesure de la vidéo pour vous montrer un petit peu sous toutes les coutures ce que proposent ces nouvelles voitures toujours réussies et dont les skins sont toujours proposés par Alex Koda de Koda Factory qui bosse depuis de nombreuses semaines en collaboration avec Race Room. Alors là, Formule 3 pour l'instant. Alors évidemment, les voitures sont testées brutes de décoffrage, il n'y aura pas de setup effectué. Je prends les voitures telles qu'elles sont vendues dans le store parce que tout le monde n'a pas la capacité de faire des réglages et que parfois, eh bien, il vaut mieux savoir si une voiture est bonne quand on n'est pas forcément bon régleur ou metteur au point. Alors pour l'instant, que dire de cette voiture? Eh bien, c'est que le train arrière est extrêmement joueur. Vous n'avez pas beaucoup d'appui aérodynamique procuré par cet aileron arrière. Il va falloir le régler. Au niveau des réglages, on a les habituelles options proposées par Race Room. Donc rien de nouveau à ce niveau-là. C'est plutôt fluide. Alors une direction qui n'est pas tout à fait en concordance avec ce que vous faites avec votre volant. J'ai tenté de régler ce paramètre-là, mais je n'ai ce problème sur aucune autre voiture, que ce soit les touring cars ou les autres GT. Il y a uniquement avec cette Formule 3 que j'ai un petit décalage entre le dessin de mon volant sur l'écran, sa rotation et ce que je fais réellement IRL avec mon T150. Bref, mon T300 avec le volant F150, pardon. Alors ici au freinage, on va tenter de passer et ça passe plutôt bien. Alors une voiture qui a un bon rapport poids-puissance, qui a un comportement très acéré. On sait que les F3, ce sont les voitures pour moi les monoplaces les plus agréables, les plus agressives à voir. Ça fait encore un beau bruit, comme d'habitude Race Room nous propose ici un bruit agréable et bien réussi. D'ailleurs je vous laisse en profiter un petit peu avant de vous reprendre un peu plus tard pour voir ce que donne le son de cette F3. Oui, alors que ça glisse pas mal, voilà, vous avez pu profiter un petit peu du son de la voiture. Un seul défaut, c'est que sans réglage, eh bien, vous n'allez pas passer la grande épingle du fond qui vous empêchera de braquer correctement, même un fond de buton. On va essayer quand même de la prendre correctement en léchant le plus possible le virage à gauche. Allez, je braque, et même en croisant les mains, eh bien, il n'y a pas moyen. On est obligé, voilà, d'aller percuter un petit peu le rail. Donc ça, c'est à régler, évidemment, dans les paramètres de braquage de la voiture. En tout cas, j'attendais beaucoup cette Formule 3 qui n'était pas présente, pas annoncée, qui est arrivée un petit peu comme ça, vite fait sur le coup, en compagnie des deux autres voitures que l'on va tester juste après. C'est une bonne surprise pour moi, bien sûr il faut la régler, et quelque chose me dit que vous allez rapidement retrouver cette voiture dans la carrière Race Room, qui doit reprendre d'ailleurs au passage très rapidement. Allez, on va terminer ça à Macao, et on passe sur une autre course avec eh bien, la deuxième voiture de ce nouveau pack. Et nous sommes du côté de Zandvoort aux Pays-Bas et c'est parti avec la KTM Crossbow, donc nouvelle voiture qui ici
vous est proposé avec une vingtaine de skins. Alors là, franchement, je vois pas trop l'intérêt des skins, si ce n'est vraiment que vous ayez une couleur préférée, mais il n'y a pas de grosse différence avec les sponsors, ça touche là derrière. Alors évidemment, vous avez les habituelles couleurs orange de chez KTM, si pas quelques sponsors déjà présents dans Race Room qui prêtent leurs couleurs pour créer de fausses livrées, puisque cette coupe, à moins que j'ai vraiment manqué un épisode, n'existe pas IRL, hein. Ce sont des voitures qui ont roulé. On va faire l'intérieur là, oui, ça passe, allez, et l'autre derrière va en profiter. Ce sont des voitures qui existaient à l'époque dans le championnat de GT4, qui étaient acceptées dans la réglementation, mais qui aujourd'hui pullulent un petit peu dans n'importe quelle discipline. C'était chaud. Oh, de roue dans l'herbe. Oh, ça c'est très agréable. Alors, premier ressenti très très bon de la voiture. J'ai déjà fait une petite course avant celle-ci pour vous donner aussi un ressenti travaillé, non pas sur les premiers tours de roue, mais sur quelques boucles quand même. On a un comportement qui est beaucoup plus joueur. Alors, c'est le but de ces track toys, hein, c'est jouer fait pour le circuit. Alors, on a une voiture qui, pour la première fois dans Race Room, apporte quelque chose. Ce sont les suspensions dynamiques et visibles. Alors, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Je vais vous montrer ça grâce à la magie du montage. En fait, ce sont le travail des amortisseurs qui sont désormais visibles à l'œil nu, ce qui est une nouveauté dans Race Room. On n'avait pas ça jusque-là, puisque ça n'était pas visible, hein, les ressorts sur les F1. Enfin sur les F2 pardon, les Formula Race Room 2 ou encore sur les autres GT, cette fois-ci eh bien on a désormais le travail de la suspension qui est animé sur l'avant de cette KTM Crossbow. Alors une voiture qui arrive également pour 3-4 euros évidemment, avec sa série de skins. Mais on a pour la première fois dans Race Room quelque chose qui nous fait plaisir. Alors je m'explique un petit peu, vous n'avez pas une voiture qui est punitive, vous avez vraiment une voiture qui est jouissive et qui va vous permettre de vous marrer tout simplement. Ça vous donne des sensations absolument géniales, avec un survirage constant, mais possiblement gérable. Pas beaucoup d'options hein, sur cette voiture, évidemment, au niveau des setups. Vous n'avez pas d'aileron, ni etc. Donc c'est très léger. Donc elle est faite pour s'amuser, et elle est très fun sur des pistes qui ne demandent pas trop de vitesse de pointe, parce qu'on arrive très vite en bout de course de cette voiture. Et c'est plutôt sur les petits enchaînements, les virages, les boucles et les relances que cette machine va être la plus efficace, et surtout la plus fun à piloter. La preuve ici avec cette courbe, vous avez vu, un petit virage en appui. Et ça glisse un petit peu, et sur les délestages, les bosses, etc., on a vraiment un jouet. C'est la première fois dans ce room qu'on a une voiture qui est aussi fun, avec autant de puissance. Sinon, on avait cette idée qui était reprise par des voitures comme la NS8TT, par exemple, mais qui était une grande blague au niveau puissance. C'est un peu ça le dommage de cette coupe, qui était très intéressante dans son domaine, évidemment, mais qui manquait de puissance. Et là, on a vraiment la sensation d'avoir une boule de nerf entre les mains. Et à nous de savoir la gérer. Au passage, toutes les vidéos que vous allez voir ici on board ou pas, eh bien seront faites en mode get real, c'est-à-dire le mode sans assistance, le mode le plus compliqué. Et ça glisse beaucoup. Et c'est très fun. Allez, je vous laisse un petit peu profiter, comme tout à l'heure, de la Formula Race Room 3, et eh bien du son de cette KTM Crossbow.
et départ au Nürburgring de cette troisième course avec comme bolide eh bien, l'Audi TT, non pas la version Cup que je vous ai présentée il y a quelques jours, mais la version VLN, ce championnat uniquement disputé sur la Nordschleife. Alors aujourd'hui, pas de Nordschleife au programme, mais le Nürburgring tout de même, et une voiture qui est, comme tout à l'heure je vous expliquais avec la Formule 3, eh bien, disponible en une seule couleur et sans proposer toutes ses livrées. Alors attention, à l'heure où je poste cette vidéo, peut-être que ça aura été patché et corrigé par Race Room. Ça passe bien. Alors on a une voiture qui sans... Oh, le vibreur était très optimiste de ma part. On a une voiture qui est très très proche de ce que propose l'Audi TT Cup, sincèrement, avec évidemment plus d'appui aérodynamique, plus de puissance, la suppression du push-to-pass, évidemment, mais je suis un petit peu déçu de ce qu'apporte cette voiture, et si honnêtement vous avez déjà la TT Cup, eh bien inutile d'aller investir de nouveau dans cette voiture qui n'apporte rien. Alors je ne fais pas de l'anti-Audi basique, oh, bête et méchant, je dis ça tout à fait sincèrement, parce que vous pouvez trouver des voitures qui sont disponibles dans d'autres championnats qui procurent ces sensations, notamment, eh bien tout simplement, les silhouettes, les touring cars de base, créés par Race Room, qui sont... Enfin, par secteur 3 en l'occurrence, qui sont assez similaires au niveau comportement. Est-ce que ça passe dans le S-Schumacher? Oui, on va faire l'intérieur. Oh, ça ne touche pas, c'est très serré. Et on arrive à l'avoir à l'extérieur et on est à gauche pour le prochain virage et c'est fait. Et bien voilà, ça passe bien. On a donc une voiture bien sympathique, certes, mais qui n'est pas transcendante. C'est un petit peu la déception de ces trois bolides proposés. Alors dans la liste des voitures à venir, j'attends beaucoup, notamment une voiture qui va coupler beaucoup de capacités que mettent en place les voitures de Race Room, à savoir le push-to-pass, etc. C'est eh bien, la Dallara DW12 qui a été annoncée, si vous ne l'avez pas entendu. L'IndyCar qui... Oh, on va attaquer ici. Bon, ça m'étonnerait que ça passe. Non, ça passera pas. On va peut-être croiser, peut-être qu'à la relance, on est un peu mieux. L'IA est à 98%, si vous vous posez la question. Allez, on peut peut-être attaquer. Oh non, je le touche. C'est pas la meilleure idée, ça. Et vous avez donc une voiture qui est un petit peu plus plus molle en fait. Donc à moins que vous fassiez des courses style 24 heures en VLN avec un mélange de GT3, de BMW 235, eh bien il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent, je pense, avant la fin de l'année. Donc on attendait, je vous le disais, la Dallara DW12, on attend aussi la McLaren 650S qui remplacerait la P1, la BMW M6 en GT, la nouvelle Audi R8, LMS version 2016, donc il y a encore beaucoup de choses qui doivent arriver dans Race Room, et je vous conseille de garder eh bien, vos écus sur Steam de côté, parce que déjà il va y avoir beaucoup de promotions, les Black Friday arrivent, en ce moment il y a quelque chose de plutôt sympa avec la KTM Crossbow qui vous permet de gagner un réel track day sur, je crois, le circuit de Spielberg en Autriche ou le Salzburgring, je ne sais plus, bref. Donc il y a pas mal de choses qui vont arriver, c'est la période fun pour les possesseurs de Race Room et je vous invite donc à patienter pour l'heure. Je vous laisse profiter un petit peu du son on-board et en vue taisée de cette Audi TT édition VLN Race Car qui est donc, comme je vous le disais, tout à fait oubliable. Et on se retrouve en fin de vidéo, à tout de suite.
Voilà les amis, c'est ici que l'on va refermer cette découverte. Merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve très vite pour découvrir d'autres contenus avec notamment eh bien, des formules sur Air Factor 2 ou encore d'autres bolides dans Race Room. D'ici là, bonne attention, bon amusement en piste et à la prochaine. Merci, salut.